Bonjour, nous sommes Mathieu et Tiphaine Lenoir. Nous sommes volontaires depuis 2 ans en Haïti, envoyés par Fidesco, et nous travaillons pour les Sœurs Salésiennes. Nous sommes mariés depuis 3 ans et demi, et nous avons 2 petits-enfants. Je travaille dans le bureau de développement donc, des Sœurs Salésiennes pour aider à la gestion de tous leurs projets dans toute leur communauté du pays. Ce sont principalement des projets de construction, mais aussi des projets de développement des écoles professionnelles et des écoles hôtelières des sœurs. Donc moi, je travaille pour le bureau pédagogique des Sœurs Salésiennes. Ma mission, c'est de coordonner l'enseignement de la physique et de la chimie dans toutes leurs écoles. Une des premières choses qui nous a beaucoup étonné et un peu choqué quand on est arrivé en Haïti, c'est l'omniprésence des déchets dans la rue, des gros tas au coin des rues, dans les ravines, avec tout un petit microcosme qui tourne autour d'animaux, de personnes qui en vivent un peu par du recyclage. C'est parfois assez déroutant de voir que les gens acceptent de vivre dans ces conditions-là. La différence vraiment énorme avec la France nous a fait prendre conscience de cet enjeu de maîtriser nos déchets, maîtriser notre consommation, et a fait écho à l'encyclique du pape qu'on a apprécié tous les deux. On est parti aussi, donc on était tout jeunes parents, Benoît avait 5 mois. Et pour nous, le fait de partir à ce moment-là, c'était le désir de chercher à fonder une vie de famille simple. C'est quelque chose qu'effectivement on a reçu ici, on a appris à faire simple, sans les derniers gadgets, les derniers cris de périculture. Voilà. On en est heureux et on espère pouvoir continuer à garder cette sobriété, à savoir nous contenter de choses simples et pas chercher sans cesse des choses très compliquées.